Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau personnage. Et oui, le Drinko a été annoncé il y a... Ben aujourd'hui. Aujourd'hui, même hier je crois. Hier ou aujourd'hui, bref. Bref, j'espère que vous allez bien. Premier horaire week-end. Donc le ramadan est terminé. Donc j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de l'Aïd, les mecs. Donc le ramadan, il y a eu aussi le carême entre temps. Donc voilà. Donc, beaucoup de fêtes religieuses, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et on peut attaquer. Alors avant d'attaquer Soda, on va attaquer donc les dernières news qui sont apparues, parce que je trouve ça quand même intéressant de s'y attarder quelques secondes. Alors, le questionnaire pour les joueurs. Pour une fois, je trouve le questionnaire un peu intéressant. D'habitude, ils embêtent toujours avec la RNG. Et là, ils nous demandent de... est-ce qu'il y a un attaquant qui voudrait être revu à la hausse, on a ça comme ça, donc augmentation des stats, voire peut-être work. Donc voilà, donc libre à vous, hein. Libre à vous, donc je ne vous donnerai pas mes choix. Hein. Je n'aurai pas mes choix, ça ne servira à rien, parce que de toute façon, ils passeront jamais. Voilà, donc et puis si vous me connaissez, vous savez à peu près qui j'ai mis, bon, ça encore, voilà. Vous choisissez les personnes que vous voulez, puis je pense qu'ils vont faire un... Ils vont tout regrouper, puis ils vont prendre le meilleur, et puis voilà, quoi. Voilà, ensuite il y a aussi les TS, certaines TS, est-ce qu'ils veulent augmenter certaines TS. Ça peut être sympa aussi, pour des personnes qui sont bons mais qui ont des mauvaises TS, ça peut être bon. Ça peut être pas mal, je trouve ça intéressant. Ensuite, je ne m'y attarde pas, ça sert à rien, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, vous attardez pas là-dessus, s'il vous plaît, faites pas ça. Ça aussi c'est une escroquerie, vous attardez pas là-dessus, on va s'attarder à ça. Il y a le retour du World Challenge, mais bon, ça on va pas trop s'y attarder non plus. C'est toujours la même chose maintenant. Vous êtes habitués, donc voilà. Alors, donc ici, alors, recrutement choisir. Donc c'est comme le dernier truc qu'il y a eu pour les 50 000. Donc là, on va. C'est les mêmes persos. C'est quasiment les mêmes persos. Sauf que là, ils ont ajouté Roberto au Dreamfest. Et ils ont ajouté Oaron et Vulcan au Dreamco. Ce qui, je trouve ça sympa. Donc après, voilà, donc un deuxième perso à choisir. Je pense que ça va être principalement pour la TS. Parce que c'est les persos qui sont jouables, là, il y en a vraiment très peu, quasiment pas. Allez, peut-être Roberto qui est jouable. Roberto dans une team verte, ouais, il est jouable. Voilà, donc après, le reste, voilà, quoi. Voilà, donc vous avez des specs qui peuvent être intéressants, comme les dribbles de... Ouais, il y a la passe de Chester aussi, le dribble de Pierre, le dribble de Natu. Le Yuga, si ça vous intéresse de passer le challenge Road X. D'accord, où il faut un Yuga Rasinsen, donc si vous en avez pas, vous pouvez taper dedans. C'est un peu du gâchis, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Et puis au niveau des 3%, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Ils ont ajouté ces 3-là, mais il n'y a pas de 7,5. Il n'y a pas de 7,5. Donc je trouve pas ça intéressant pour ma part. En tout cas, en ce qui concerne les 3%. Alors, enfin, donc, on va s'attarder donc à celui qui nous intéresse. Donc monsieur Makoto Soda. Voilà, donc c'est parti, on y va. Soda. Soda, donc de type vert. Hein. Donc, comme d'habitude, un défenseur post-unique. Alors attention, il va y avoir pas mal de fiches qui vont passer devant vous. Ok. Donc soyez attentifs parce que il y en aura pas mal. Ok, il y en aura pas mal. Donc, on va commencer par le début. Donc leader skill, pas de problème. 28%, 3 joueurs du même type. Pas de problème de ce côté-là. Le leader skill. Comme d'habitude, j'aurais tendance à dire pour Soda, qui est principalement un joueur de couloir, hein, donc mettre de la surface de réparation, mettre sur les ailes, 10%, c'est bien. Bon, c'est son passif quasiment habituel hein, pour moi. Soda, c'est rare, c'est vraiment très rare qu'il soit un joueur de surface. Enfin, un joueur, un défenseur à jouer central, il est vraiment plus présupposé pour être sur le côté. Il y en avait qu'un, je crois, de mémoire, qui était vraiment presque central, qui avait une grosse capacité contre. Mais voilà. Voilà, donc c'est bien, mais... Voilà, là c'est notre Soda habituel. Alors, une petite parenthèse, je trouve ça intéressant qu'ils aient sorti le Soda Junior, parce que juste avant, il y a eu le Dreamfest Napoléon Junior, et vous savez ce qui s'est passé pendant le match de la France. Donc, je ne vais pas vous spoiler, hein, ceux qui n'ont pas encore lu le manga, mais bon, a priori, ils devaient tous l'avoir lu. Voilà, voilà, ils se sont tapés dessus, ils ont pris, et le Soda, il a pris carton rouge, et voilà, quoi. Et je crois que Napo aussi, il a pris carton rouge, je ne me souviens plus. Mais je sais que Soda, il l'a pris. Voilà. Donc, voilà pour la petite anecdote, donc ils ont sorti ça pour l'histoire. Ouais, je valide. Moi, je crois que je valide. Il aurait pu être devinable, mais aller chercher ça, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que c'était difficile à prévoir. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont réussi à prévoir. Bref. Donc, allez. Les achats maintenant.
80% de notre inter, on prend, pas de souci, c'est très bien. Alors la rivalité tous encore, donc les full mat et les full body, j'ai rétréci le truc involontairement. Full mat et full body, 10% en plus, c'est bien, on prend. 80% d'étourdissement en moins, on prend, récupération, c'est nickel, c'est parfait. Et le prime du prime, le prime du prime, voilà, c'est voilà, ce soda-là, c'est plus du jus, hein. C'est plus du jus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est du lait, c'est vraiment du lait. Un joueur d'Asie plus 3%, quoi, c'est énorme ce qu'ils ont fait, et je trouve ça limite abusé, je trouve ça limite abusé, voilà. Donc voilà, donc soda, ce qui est bien, voilà, c'est enfin un soda en dehors de sa zone, il est encore bon, il est encore viable, donc il peut être tout terrain. Bon, je vous conseille pas de le jouer central, ça ne servira à rien, ça sert à rien, ce sera un peu du gâchis. Voilà, vous le mettez sur une aile, c'est très bien, très bien. Dans la surface de réparation sur l'aile, il va faire du sale. En dehors de cette zone-là, il va quand même faire du sale, mais ça ne va pas être exceptionnel. Mais avec la bonne lecture, il va en arrêter. Voilà. Donc faut pas angoisser. Il va faire le travail même en dehors de sa zone. Voilà. Donc il a un combo défensif très efficace quand même. Auto-inter, récupération. Oui, ça on prend. On prend. On ne prend pas subtil là-dessus. Ce qui est dommage, il n'a pas l'anticellement. Donc il est celle-là, mais il va falloir doubler ses SP. Il va falloir doubler ses SP, donc il va falloir mettre des médailles, les mecs. Il va mettre des médailles, double tac, double inter, minimum. S'il tombe face à Brian, ça va être compliqué pour lui. Si vous n'avez pas doublé ses SP, s'il tombe face à Brian, c'est mort. Brian y passera. Voilà. Et bien sûr, le boostasi. Hein. Le boostasi, voilà, c'est trop. Bon, après, ce qui est. Bon, c'est pas dommage, hein, mais pour qu'il puisse être vraiment à son maximum, il faudrait beaucoup de full body. Le problème, c'est que de mémoire, j'en connais qu'un. Même deux. Deux, c'est Raphaël et Margus. Voilà, lui, je pense que c'est plus un préposé pour arrêter Margus. Ouais, surtout sur le côté. Voilà, Margus, c'est très rare qu'il soit jeu central. On voit sur le côté Margus, comme il a son passif surface de réparation. Vous le mettez face à Soda. C'est bon, il va le terminer. Il va le terminer en long, en large, en travers. Voilà. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Rien de. Il n'y a rien de méchant à dire sur Soda. Franchement, c'est vraiment un bon. C'est vraiment un bon et. Bon, c'est énorme, quoi. Ce qu'ils ont fait, je trouve ça énorme, mais un peu abusé. Parce qu'en fait, ils ont mis des boosts de stats en plus à un perso qui est jouable. Et voilà, c'est un Jap, quoi. C'est un Jap. C'est. Voilà, encore une fois, la Jap, elle est favorisée. Vous n'allez pas me dire que ouais, la Jap, elle est en retard. C'est faux. Vous avez Soda, Izawa déjà. Donc, Soda, Izawa, Akai. Ouf. Vous avez que des récupérations minimum 50%. Et encore, ça, c'est que Akai. Donc, vous avez des 80% Izawa et Soda. En plus, vous avez les trois couleurs en défense. Comme quatrième défenseur, j'en vois pas. Vous pourrez mettre n'importe qui. Hein. Voilà, ils seront à minimum 80%. Et encore, ça c'est gentil. Ça, c'est ceux qui n'ont pas encore laissé les 0,5%. Donc, allez, si vous avez tous les boosts, allez, on va dire que vous avez 79, vous partez déjà à 82. Vous partez déjà à 82. C'est énorme. Vous êtes déjà au-dessus de beaucoup de gens. C'est énorme. Alors, avant de passer à la fiche de stats, voilà. Écoutez bien, là c'est marqué 77 parce que c'est un truc que je laisse de base, mais j'ai incorporé les 3% dans les stats, d'accord? Donc c'est marqué 77, mais il a 80%, ok? Voilà, donc, voilà, il n'y a rien à dire. Les stats pas pour lui, hors boost, il a 110k en tac, 110k en inter. Je ne vais pas parler du compte parce que, contré, bof. Voilà, contrer, bof. Je pense pas qu'il va être préposé pour contrer. Vous pourrez le faire, mais il va pas être préposé pour contrer. Donc voilà, moi, je vais plus m'attarder sur les stats de tackle et d'inter. Voilà, 110K hors stat, hors boost, c'est énorme. Donc hors tout terrain, 110K, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc il va être susceptible de rattraper tout le monde. Il n'aura pas de carence, donc c'est bien. Ensuite, voilà, avec boost, là, c'est que à 10%. Là, c'est que à 10%, donc c'est soit face à un full body hors zone ou dans sa zone, donc sans phase de réparation ou sur les ailes. Voilà, 116k en tac, 116k en inter. Ensuite, 100, il a plus de 100k en dribble et passe, donc il va pouvoir relancer. Je conseillerais pas trop la relance avec lui parce que ça apporte rien en fait. Mais vous pourrez passer par-dessus les bleus, ce qui est pas mal, ce qui est pas négligeable. Donc vous serez à peu près tranquille à ce niveau-là. Voilà. Donc il n'y aura pas de panique à avoir si, euh,
si jamais vous vous retrouvez un peu coincé, quoi. Voilà. Donc, ensuite, que dire de plus? Oui, donc oui, au niveau des SP. Donc, après, par contre, les SP, il va falloir aller les chercher. La grosse inter, il va falloir aller la chercher. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est sur, il était sur le soda vert, je crois, de mémoire. Il était sur le soda vert. Et donc, si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué. Ensuite, donc le sprint, ça doit l'asseoir. Donc, le tac tranchant. Le tac tranchant, donc, c'est son deuxième tac. Donc, celui-là aussi, il va falloir aller le chercher. Pendant que je parle, j'essaie de retrouver les bons sodas. Donc, oui, je suis un peu malade, je suis désolé, je renifle. Je suis désolé, j'étais KO hier soir. Et là, je me remets tout doucement, mais ça devrait aller. Voilà, donc double inter, interception, lame de rasoir glissée, oui. Donc, ça, elle est facilement récupérable. Ensuite, vous avez le tir pour vous dégager au cas où. Si vous êtes vraiment, vraiment coincé. Et voilà. Voilà, donc la passe. La passe, le dribble, ça passe tranquille. Les stats, ces stats font que ça va. Ça va, y a rien à dire. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Oui, donc l'Inter, voilà, elle était sur le Racing Sun pendant l'anniversaire. Donc si vous ne l'avez pas eu, attends, je vous montre juste 2 secondes. Je vous montre juste 2 secondes. Voilà, c'est ce soda-là. Donc si vous ne l'avez pas eu, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc vous allez devoir vous contenter de la 517. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien rattraper. Hein, vous inquiétez pas. Il fera largement le taf. Il fera largement le taf. Donc pas de souci là-dessus. Pas de souci là-dessus. Pas d'inquiétude à avoir. Voilà. Ensuite, donc là, comme je vous ai dit, là, c'est la stat à 10%. Okay? Alors, à la base, j'étais pas trop chaud pour la mettre à 20. Mais je me suis dit, je vais quand même le faire. Parce que au cas où, quoi, au cas où, il y a une évolution qui est beaucoup de full body ou de full might. Donc au moins vous verrez, vous ne direz pas ouais, il faut rajouter la poubelle, mais en fait non quoi. Voilà, donc vous voyez 123K en dribble, en tacle, 122K en inter, c'est monstrueux. C'est monstrueux, il va les atomiser. 116K en contre. C'est un peu compliqué, mais ça va, c'est quand même des très très bonnes stats. Et vous verrez après, ça carbure. Ça carbure vraiment. Voilà, ce soda là, c'est juste un monstre. C'est du bon lait. C'est du bon lait, comme dirait notre ami Smilis. Voilà. Ensuite, bon. Alors, donc la question que tout le monde se pose, hein, enfin la première question, c'est qu'est-ce que ça donne par rapport aux autres défenseurs. Donc, alors, j'ai mis. Ça ne va pas cliquer. Ah si, voilà. Alors, je vous ai mis la comparaison avec les défenseurs du moment. Sachant qu'il y a aussi, vous avez aussi Radunga. Izawa, je ne l'ai pas mis parce qu'il est un peu trop en dessous. Il est un peu trop en dessous, voilà. J'ai mis vraiment les bons défenseurs du moment, quoi. Les bons défenseurs du moment, et ils les surpassent tous, quoi. Voilà. Il n'y a rien à dire, ils les surpassent tous. Et là, on n'est que à 10%. On n'est que à 10%. On n'est que à 10%, pardon. On n'est que à 10%, ils les surpassent déjà tous. Donc, voilà. Voilà. Voilà, comme je vous ai dit, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il y aurait beaucoup à dire sur Soda, mais en fait, il n'y a rien à dire, quoi. Ses stats partent de lui-même, quoi. Et là, je vous donne donc les stats à 20%. Voilà, quoi. Voilà. Voilà. Il n'est pas aussi haut en contre. Voilà, il a un peu des stats en dessous par rapport au contre. Mais donc, c'est possible qu'il n'arrête pas Margus, ça, je sais pas. Il faudra tester, il faudra faire des tests. Il faudra faire des tests de tir sur Margus. Avec Margus, parce qu'en plus il faudra pas oublier qu'il a la différence couleur, donc c'est possible qu'il le stoppe pas. Mais voilà, tous les autres il va les éteindre. Voilà. Donc les Raphaël de mémoire, des full match, il n'a pas trop. Je parle pas de Soubi rouge parce que ça sert à rien. Il est très très rarement joué. Mais voilà quoi. Voilà. Voilà. Donc j'ai rien de plus à dire. Hein. Donc après la grande question du soir, est-ce qu'il faut poule ou pas? Je pense que je vais mettre une animation, est-ce qu'il faut poule, ça va être sympa. J'aurais tendance à vous dire oui si vous jouez Jap. Et si vous jouez pas Jap, c'est pas grave, vous pouvez poule quand même. Parce qu'il va faire le taf. Il va faire le taf et de lui-même, il sera à 80. Donc c'est pas mal. Si vous avez quelques Jap qui traînent sur le terrain, il va le up aussi, c'est pas mal. Je parle pas des Asiatiques, hein, parce que même si Club, ils ont dit oui, ils vont augmenter les stats de chat, de fey, c'est des joueurs qu'on joue même pas, donc laisse tomber. Quoi. Voilà, c'est surtout des Tsubi, des Misaki. Des Izawa, des Yuga, des Shingo, des Akai, des voilà, c'est tous les Jap. Tous les Jap. Voilà, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et j'espère vraiment que ce ne sera pas le seul défenseur, Jap ou non Jap.
enfin, surtout voilà, par rapport aux non-JAP, que les non-JAP ils seront pas, lésés par rapport à ça. Parce que sinon, ça va vraiment faire trop. L'écart, il va vraiment devenir énorme, quoi. Voilà. Donc 3%, c'est vraiment, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ça peut paraître rien, mais c'est beaucoup. Voilà. Voilà, hein, donc j'ai pas plus de choses à vous dire que ça. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance lundi pour le pool. Voilà, donc bonne chance, j'espère que vous avez, donc, comme d'habitude, hein, que vous avez braqué le portail. Envoyez-moi vos screens pour dire que vous avez braqué, ça me fera plaisir. Voilà, donc mettez un pouce si vous avez aimé. L'analyse, la comparaison, voilà, le contenu, quoi. Mettez un petit pouce, ça me fera plaisir. Merci pour tout. Ah oui, merci aussi à tous vos retours. J'ai pas mal de retours positifs et négatifs aussi. Hein. J'ai tout pris. J'ai fait quelques corrections par rapport au tout début. Donc ça va continuer jusqu'à ce que je stabilise vraiment le format vidéo. Voilà, hein. Donc voilà. Voilà. Donc merci à vous tous. C'est très sympa. Hein. Et puis pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure les petites vidéos analyse, voilà. Donc voilà. Donc bonne chance à vous encore une fois. Bonne chance à vous. Et bon week-end à tous. On se retrouvera très certainement pour les quarts de finale de l'ICT, soit en stream, soit ailleurs. Soit ailleurs, peu importe. Et il y a aussi, n'oubliez pas, il y a aussi le grand événement, donc la Gold Cup qui va arriver. Et puis voilà, quoi. Voilà. Voilà. Donc bonne soirée, bon week-end à vous. Et puis à bientôt. Allez, ciao.